monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tag. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tag et j'ai trouvé celui-là sur la chaîne d'une abonnée, donc de Maya, de la chaîne Maya Let Me Read. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Maya, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. C'est le tag Bookcoachip Tag. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc c'est un tag qui regroupe une dizaine de questions et c'est parti, je vais y répondre tout de suite. Alors la première question, attirance initiale, un livre que tu as acheté à cause de la couverture. Harry Potter, voilà, j'ai acheté en fait deux livres, donc il y a celui-là et le tome 2, le tome 2 qui est derrière moi. C'est le premier tome de la saga Harry Potter et la pierre philosophale, donc And the Philosopher's Stone. Donc c'est le premier tome en anglais, aux éditions Bloomsbury. C'est également ma lecture en cours. Voilà, moi je trouve que la couverture est juste splendide et c'est à cause de cette couverture que j'ai acheté les Harry Potter. Voilà. Question numéro 2, premières impressions, un livre que tu as acheté à cause de son résumé. À cause de son résumé, j'ai acheté dernièrement, enfin il y a un petit peu plus d'un mois, Les Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton aux éditions Robert Laffont, en collection R. Voilà, je l'ai acheté à cause de son résumé parce que ça me donnait envie et ça se passe en Écosse et c'est un peu dans la fantasy fantastique que je lis d'habitude et j'avais vraiment envie de découvrir. J'ai commencé à lire et je l'ai reposé parce que je comprenais rien à rien, ça a commencé à me taper sur le système et je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment pour moi pour le lire. Donc je le rouvrirai d'ici un mois je pense et voilà, d'ailleurs vous avez encore mon marque-page. Voilà. Question numéro 3, 12 paroles, un livre qui a une belle écriture. On va faire dans l'originalité, donc j'ai choisi Night School, si on prend par rapport à la couverture, puisque je vois pas trop l'intérêt de l'intérieur du livre en fait finalement. J'adore l'écriture du titre et du sous-titre, je trouve que c'est super beau. Voilà, tout avec des boucles comme ça, je trouve ça vraiment magnifique, donc Night School. Premier RDV, un livre de saga qui t'a fait acheter le reste des tomes. Voilà. La sélection de Kirakas. J'ai pas pu m'en empêcher. Waouh. Waouh. Question numéro 5, les coups de fil tard dans la nuit, un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Je vais encore faire dans l'original parce que ce livre-là, je pense que vous commencez à en avoir marre, que j'en parle sur la chaîne parce que j'en parle tout le temps. The Secret Fire de C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld. Et ça, c'est un livre qui m'a tenu éveillé très tard dans la nuit. Ce que j'ai adoré, mais du début à la fin. Question numéro 6, toujours dans mon esprit, un livre auquel tu ne peux pas t'empêcher de penser. Celui-là. je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser au Stolenos Head de Sophie Gemin, parce que je suis en train de lire le deuxième tome, que je lis en lecture commune avec Anaïs. Quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si on aura terminé ce livre-là. Moi, j'ai laissé mon grand format à Besançon, pour que la tentation soit moins grande. J'arrive pas à m'enlever de la tête Leith et Anna parce que je trouve que c'est un couple formidable. J'adore. Et comme je suis frustrée parce que je peux pas le finir le livre pour le moment, voilà, j'arrive pas à me les sortir de la tête. Ça a été le cas aussi ces derniers temps avec la saga de la sélection de Kirakas, puisque je voulais absolument lire le tome 3 pour savoir ce qui allait se passer. Et maintenant que j'ai lu le tome 3, ça va mieux. Franchement, je vais mieux parce que ce week-end, je vous jure que j'ai eu du mal à me les sortir de la tête. Sinon, en ce moment, oui, c'est les Swallow's Head. Voilà. Question numéro 7, attraction physique. Un livre que tu aimes tenir, que tu aimes toucher. Alors là, je vais vous présenter un livre que je vous ai pas montré depuis un sacré moment sur la chaîne et pourtant, j'adore. Donc c'est Nightshade, Bon, et ben il tombera pas plus bas. Il s'agit de Nightshade de Andrea Kremer, donc le premier tome qui s'intitule Lune de sang, donc c'est paru aux éditions Gallimard. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en seconde, que j'ai dévoré en une journée, la journée de Noël, le 25 décembre 2012 ou 2011. Quand est-ce que j'ai eu mon brevet que je suis rentrée en seconde? En 2011. Et bah c'est ça, le 25 décembre 2011, je l'ai lu, voilà, je l'ai lu en une journée, je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir. J'ai trouvé génial. Alors pourquoi j'aime le toucher? Parce que vous allez sûrement remarquer que les pages sont bizarrement faites. Parce que en fait dans l'histoire, c'est une histoire de loup-garou.
Et dans l'histoire, il y a un grimoire sacré, etc. Il me semble, ça fait très longtemps que je l'ai lu, hein. Ça fait 4 ans déjà, donc c'est un peu loin. Mais il y a un grimoire avec les pages qui sont découpées comme ça. Et du coup, je pense que les éditeurs ont voulu refaire cet aspect. Enfin, ont voulu, oui, faire comme si le livre était le grimoire, en fait, je pense. Et du coup, je trouve ça vraiment génial parce que du coup, les pages ne sont pas coupées à la même taille et au toucher, je trouve ça juste génial. Esthétiquement parlant, bon, si je trouve que ça fait quand même un beau livre, mais franchement, j'adore. J'adore le toucher, ce livre. Question numéro 8, rencontrer les parents, un livre que tu conseillerais à toute la famille. Je conseillerais sans hésiter Les Chevaliers d'Émeraude, donc d'Anne Rebiard, paru chez Michel Lafon, aussi bien aux petits, aussi bien aux grands, parce que c'est toujours le genre d'histoire qui nous fait rêver, dans lequel... en étant petit, qui correspond tout à fait hein, à partir de 10-12 ans. Et au grand, ça correspond tout à fait aussi parce qu'on peut essayer de trouver les petites critiques de la société, notamment par exemple dans le tome 1 des Héritiers d'Ankijev, où l'auteur n'a pas peur d'aborder par exemple le thème de l'homosexualité. Je trouvais que c'est très très bien fait. Voilà, sinon je conseillerais tout à fait franchement ce livre aussi bien pour toute la famille parce que voilà, qu'on soit grand ou petit, ça correspond tout à fait à des attentes et je ne peux que vous le conseiller parce que vous savez que les Chevaliers d'Émeraude c'est vraiment ma saga, voilà, ma saga chouchou. À penser au futur, un livre ou une saga que tu sais que tu vas relire beaucoup dans le futur. Alors là je suis un petit peu embêtée parce que je sais qu'il y a deux livres que je vais lire particulièrement souvent, donc je vais vous les présenter les deux. Donc le premier c'est Eragon de Christopher Paolini. Je sais que cette saga, je vais la lire encore, encore et encore. Je l'ai déjà lu plusieurs fois et je pense que je vais continuer, c'est vraiment une de mes sagas préférées. Ça parle de dragons, ça parle de chevaliers, ça parle de magie, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des créatures tout droit sorties de l'enfer. Et j'adore, 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 franchement c'est ma cam, comme on dit, franchement c'est vraiment mon univers, je suis vraiment bien avec ça. Pour celles et ceux qui se demandent, oui, ils sont sortis en poche, voilà, en poche ça fait des petites briques quand même, mais en même temps en grand format aussi ce sont des briques, donc voilà. Je sais pas les prix, mais je sais que les couvertures restent les mêmes, donc le premier tome bah, c'est celui-ci, c'est Saphira. Deuxième tome c'est un dragon rouge, le troisième tome c'est un dragon un peu gold, un peu or, et le quatrième tome c'est un dragon vert. Donc je ne vais pas vous dire les noms des dragons parce que j'aurais peur de vous spoiler sinon, mais voilà, je vais relire Eragon, ça c'est sûr et certain. L'autre livre que je vais lire, et je me rends compte qu'en fait il est méga taché, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. C'est quoi ce bins? Je n'ai pas moi à comprendre là. Je ne sais point, moi je n'ai pas comprendre. Donc, je vais vous montrer ça après. Donc il s'agit de l'intégrale du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Voilà, pour moi Tolkien c'est le maître de la fantasy. Oui parce que je suis un peu choquée, parce que ouais voilà, j'ai un petit souci technique de livre. Voilà. Ça me contrarie fortement. De la même façon, je sais pertinemment que je relirai le Seigneur des Anneaux. Peut-être moins souvent que Eragon, mais j'aime beaucoup également. Donc ça, c'est vraiment un incontournable de la fantasy. Question numéro 10, partage ton amour, qui tagues-tu? Donc là, en fait, je pense que je vais taguer plusieurs personnes. Je trouve que c'est un tag qui est assez sympa. Ça nous rapproche de notre amour pour les livres. Donc la première personne que je vais taguer, c'est Anaïs de la chaîne Easy Last Book. Ensuite, je vais taguer Jess de la chaîne Jess Livre Addict. Je vais également taguer Alix de Alix Reads, je vais taguer Maxime de la chaîne Wairo, et je vais également, qui c'est que je pourrais, une cinquième personne, je réfléchis. Je tague également Anaïs de la chaîne Anabra Kadabra, oui c'est ça le nom de sa chaîne maintenant, j'arrive jamais à le prononcer correctement du premier coup. Donc voilà, je vous tague les filles pour, et Maxime c'est un garçon. Donc je vous tague tous pour ce tag, j'espère que vous allez le faire et que ça va vous plaire. Moi je me suis bien amusée à le faire, honnêtement j'ai bien apprécié. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère honnêtement qu'elle vous a plu et je vous dis à mardi dans une prochaine vidéo. Ciao! Hey,
Hey, coucou, c'est encore moi, je suis encore là. Donc tu peux t'abonner en cliquant juste ici, t'inquiète pas, c'est gratuit. Et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Surtout Instagram, je suis très active sur ce réseau social là. Donc voilà, j'en ai terminé, je te fais des gros gros bisous et je te dis à la prochaine sur la chaîne. Bye.